Cash Money. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dauntless. Donc aujourd'hui nous allons parler tout simplement de la mise à jour 1.7.3. Donc il y a déjà de très gros changements, notamment au niveau des répéteurs. Donc au niveau des répéteurs, avant il fallait tout simplement fabriquer, pour fabriquer il fallait fabriquer plusieurs pièces du répéteur. Et après c'était au choix, on personnalisait comme on voulait le canon, le prisme, le catalyseur, je sais plus comment ça s'appelle, et tout ça, en fonction de ce qu'on avait envie de jouer et comment on avait envie de jouer. Donc maintenant, depuis la mise à jour, on a tout simplement un nouveau mode de fabrication qui a été simplifié. Donc c'est exactement comme les armes, les autres armes quoi, c'est un bémote, une arme. Donc comme on peut le voir ici, voilà, on a tout simplement des armes comme ça. Donc ce qui est cool, c'est que ça offre un nouveau design au répéteur, voilà, tout simplement, et des bonus en dessous, comme les armes normales. Mais voilà, ceux qui aimaient jouer avec leur, comment dire, leur configuration, là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Par contre, si auparavant, vous avez tout simplement, comment dire, acheter des répéteurs, enfin des morceaux de répéteurs, et que vous avez fait des affûts de puissance dessus, vous serez totalement remboursé des matériaux que vous avez utilisés pour fabriquer, ainsi que des curdizers que vous avez utilisés et des béliers que vous avez utilisés pour l'amélioration. Donc ça c'est plutôt cool. Ils ont aussi amélioré comment dire, le champ de vision des répéteurs. Donc comme vous voyez à l'écran, avant c'était assez centré sur le personnage et tout ça. Maintenant on voit que ça dézoome, on va dire, ça offre un champ de vision plus large et mieux adapté aux répéteurs qui sont des armes à distance. Enfin distance, courte et moyenne distance on va dire, parce que c'est pas non plus des snipers. D'ailleurs à ce propos, ils ont rajouté un nouveau réticule pour viseur si vous préférez, pour les répéteurs justement, qui fait que plus vous êtes loin, plus le réticule est petit, donc moins vous faites de dégâts. Plus vous vous rapprochez, plus le réticule grossit, comme on peut le voir sur la vidéo, et plus vous faites de dégâts. Donc ça c'est pas mal aussi pour optimiser la distance de combat avec un bémote. Voilà, après au niveau des répéteurs, je pense que c'était tout. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Non, normalement non. Non, non. Ensuite, dans la mise à jour, on a bien sûr un nouveau pass de chasse. Donc avec des nouveaux skins, des nouvelles emotes, voilà, etc., etc. Donc là, on peut voir un petit peu. Des coiffures, des teintures, là on a des emblèmes et tout, ouais, ouais, et on a une tenue comme ça, qui peut être pas mal. Bon, c'est, ça fait un peu, ouais, ouais, je sais pas, et le titre, ah, voilà. Ensuite, ce qui va avec ce pass de chasse, donc avec ces skins là, c'est tout simplement la nouvelle île. On a une nouvelle île, c'est qui est une île industrielle. Hop, si ça veut bien, voilà. Donc normalement, alors peut-être qu'il faut la débloquer. Attendez, je la vois pas là. Je la vois pas. C'est pas ça, non. Oh là là. Moi, je ne la trouve pas. Je pense ils ont rajouté des quêtes, donc des quêtes principales et des quêtes secondaires. Je pense qu'avec ces quêtes là, on va nous faire aller tout simplement sur la nouvelle île. Et peut-être qu'on aura besoin de débloquer ça dans la voie du Slayer. Il faudrait que... Ouais, voilà. Voilà, ouais, il faut débloquer. Raffinerie incendiaire. Donc là, je débloque la nouvelle île. Peut-être qu'il y en a d'autres. Attendez, je regarde là, vite fait. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, on a aussi une nouvelle omnicellule.
l'omnicellule Tempête. Donc, cette omnicellule, elle est pas mal. Elle augmente, elle a un passif qui augmente. Attendez, peut-être que je peux aller voir chez le médiateur directement, comme ça vous pourrez faire pause pour voir les détails de l'omnicellule. Attention, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Retour, retour, retour. Non, pas un retour comme ça. Non, c'est pas là. Bah, je ne sais pas encore. Enfin, je ferai une vidéo sur toutes les omnicellules et je présenterai bien comme il faut cette omnicellule. Mais en gros, il y a un passif. Hop. Attention. En gros, il y a. Pardon. En gros, il y a un passif qui fait que ça augmente la vitesse d'attaque et de déplacement. Et on a un actif qui possède des charges. Et en utilisant ces charges, on fait une sorte de dash sur un behemoth le plus proche. Et ça fait des dégâts électriques. Voilà. Donc ça, c'était pour l'omnicellule. Attendez. Voilà. Peut-être que maintenant je l'ai débloqué. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc maintenant, on a cette île industrielle qui est raffinerie incendiaire. Donc il faut avoir un certain niveau. Voilà, recommandé 19. Là, je suis niveau 16. Donc je ne peux pas y accéder. Mais quand vous serez au niveau, vous pourrez tout simplement y aller. Donc c'est bien parce que les behemoths sont plus forts. Donc vous pourrez plus vite monter de niveau 20. Donc quand vous êtes 18-19, des fois c'est pas assez rapide quand c'est niveau 20. Et là tout simplement, ça va être encore plus haut niveau. Vous voyez, c'est marqué entre 21 et 24. Donc ça c'est intéressant. Et c'est marqué là, on peut le voir à droite, en dessous des behemoths, que les behemoths sont extrêmement puissants dans cette île. Et qu'il y aura des événements qui vont gagner des expériences d'armes supplémentaires et des étincelles laser. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y aura des événements du style personnalité toxique et regard infernal. Donc ça c'est basique, basique, basique. Mais l'île a l'air très stylée. Donc je ferai une vidéo sur cette île aussi pour vous montrer un petit peu comment elle est, où sont les coffres. S'il y a des trucs en particulier, parce que je crois qu'il y a des informations pas mal au niveau de l'histoire, on va dire. On a aussi des nouveaux skins dans la boutique. Donc là, je ne sais pas s'ils sont affichés. Ouais, il y a celui-là. Voilà, on a les nouveaux skins de personnages. On a des emotes. On a des skins d'armes. Des skins de lanternes. Voilà. Ah mince. Voilà, des skins d'armes plutôt jolis. Avec la fumée bleue comme ça, c'est pas mal. Nouveau planeur. Nouveau skin encore de d'armes. Nouvelles emotes. Des teintures. Des emojis. Et voilà. On a encore pas mal de trucs dans la boutique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, je crois que c'était tout pour la mise à jour. Voilà, donc on a des nouvelles quêtes. On a des quêtes principales et des quêtes secondaires. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, bah c'était tout sur la mise à jour 1.7.3. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la mise à jour. Bah voilà. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Dauntless, bien évidemment. J'ai prévu d'autres vidéos pour la semaine prochaine et autres. Donc je vous dis à la prochaine. Tchuss, bande de gros badaoué! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Oh bordel de couilles, n'hésite pas à t'abonner! Oh, et n'oublie pas d'aller voir la vidéo précédente!